plié en deux ou en équilibre sur sa tête. Sa souplesse extrême pourrait sans problème faire oublier son grand âge, car Nanamal vient de souffler sa 100e bougie. Elle est la doyenne des pratiquantes de yoga en Inde, probablement dans le monde. Mes grands-parents travaillaient au champ. Lorsqu'ils revenaient de leur travail dans la soirée, ils faisaient bouillir de l'eau, prenaient leur bain, puis étendaient leur matelas pour faire leur figure de yoga. Donc petite, je rampais jusqu'à eux pour en faire aussi. Le yoga, c'est son mode de vie, sa philosophie même, qu'elle a transmise à sa famille. Toutes les générations, sans exception, se sont mises au yoga. Elle a 6 enfants, 12 petits-enfants et 11 arrière-petits-enfants. Tous enseignent le yoga, tous en font régulièrement. Dans notre famille, personne ne l'a vu comme quelque chose d'incroyable. C'était notre style de vie. Quand elle n'enchaîne pas les postures sur son tapis, Nanamal se déplace lentement. Mais il tient tout de même une sacrée forme pour une centenaire. Demandez-lui le secret de sa longévité, elle répondra « yoga ». Plus que des exercices de gym, c'est toute une hygiène de vie, y compris un régime alimentaire strict. Le millet vous apporte plus d'énergie que le riz. C'est quand on commence à manger du riz qu'on risque de tomber malade. Jusqu'à maintenant, aucun d'entre nous n'a été à l'hôpital. Nous sommes tous en très bonne santé. Pour vérifier, nous avons demandé à ce médecin généraliste de venir rencontrer Nanamal. Il ne peut que constater sa bonne santé. Les articulations de cette femme sont plus souples. Et c'est grâce aux parfaites postures du yoga. Chaque partie de son corps est jeune. Si on oublie son âge, elle est en très bonne santé. Nanamal est devenu un modèle. Invité à recevoir des prix en Inde et à l'étranger, a donné des cours devant un champ d'admirateurs. Des milliers de professeurs de yoga ont ainsi reçu son enseignement. Ses plus fervents disciples continuent à se former auprès d'elle chaque matin. Certains en quête d'une médecine alternative, d'autres d'un élixir de jouvence. C'est un exemple. Je pense qu'elle peut atteindre 120 ans. Si on suit les exercices de Nanamal, on n'a pas besoin de médicaments. Nanamal nous dit comment soigner la fièvre ou les rhumes. Et ça guérit nos maladies. En fin de journée, c'est au tour de la nouvelle génération. Le petit-fils de Nanamal, ici en vert, prend parfois les rênes du cours pour enfants. Lui aussi, comme beaucoup d'autres ici, rêve de devenir professeur de yoga.